L'État islamique est un groupe armé non étatique transnational, une organisation militante radicale qui a formellement adopté ce nom depuis le 29 juin 2014. Le groupe est dirigé depuis mai 2010 par Ibrahim Samarai, un Irakien originaire de la ville de Samarra, également connu sous le nom de guerre d'Abu Bakr al-Baghdadi et du calife Ibrahim, un militant radical qui avait été emprisonné par les forces américaines en Irak entre 2004 et 2009. Les estimations du nombre d'hommes du groupe varient entre 52 000 et 257 000 individus. S'il est basé en Irak et en Syrie, le groupe représente néanmoins un phénomène mondial comptant parmi ses rangs environ 30 000 combattants venant de quelques 100 pays, 7 000 desquels sont arrivés en 2015 dans le territoire que le groupe tient. L'État islamique partage une histoire importante avec Al-Qaïda. L'organisation initialement structurée hiérarchiquement, qu'Oussama Ben Laden avait créée en 1989 en Afghanistan. Mais elle en est différente, s'en est démarquée et est désormais en compétition avec elle. Al-Qaïda est en train, à cette époque, de restructurer son organisation sur un modèle décentralisé, dit de franchise régionale. En octobre 2004, le groupe de Zarqawi devient ainsi Al-Qaïda en Mésopotamie, ou Al-Qaïda en Irak. Et à la suite de la mort de Zarqawi, en juin 2006, cet Al-Qaïda en Irak se réoriente en octobre de cette même année, devenant l'État islamique en Irak. Groupe qui connaîtra deux dirigeants successifs jusqu'à ce qu'Abu Bakr al-Baghdadi prenne sa direction à sa sortie de prison en 2010. En d'autres termes, et ceci est une indication de sa pérennité, la première incarnation de l'État islamique remonte à 2006. L'organisation entame réellement sa transformation la plus importante lorsqu'en 2011, al-Baghdadi saisit une triple opportunité. Les révoltes du printemps arabe, la disparition de Ben Laden en mai 2011 et la dégénération du conflit syrien en guerre civile pour essentiellement rebooter son groupe. De la même façon que l'État islamique a plusieurs racines, il a des motivations plurielles. En Irak, il est principalement mu par une logique confessionnelle qui prend la forme d'une lutte violente, l'on peut dire existentielle, avec l'armée et les milices chiites. En Syrie, le groupe est essentiellement en lutte armée contre le régime alaouite autoritariste de Bachar al-Assad. Enfin, en tant que groupe extrémiste, l'État islamique adhère à une idéologie d'islamisme radical du type salafiste. Oui, l'État islamique a visiblement poursuivi une stratégie sur trois niveaux différents, mais enchevêtrés, qui fonctionnent comme des cercles concentriques. Localement, contrôle des territoires en Irak et en Syrie. Régionalement, développement d'une assise en s'insérant dans les conflits ou processus de transition en cours. En Égypte, en Libye, en Tunisie et au Yémen notamment. Et internationalement, en ouvrant des nouveaux fronts, notamment avec les attaques contre la Russie, la France et les États-Unis. Financièrement, le groupe a évolué d'un soutien informel de la part de financiers régionaux et autres donations à une base économique industrielle avec des ventes pirates de barils de pétrole, le contrôle de la production de blé, la taxation des points de passage, la mainmise sur les liquidités dans les banques des villes sous son contrôle et autres pratiques de marché noir à grande échelle régionale. Il est en possession de plusieurs millions de dollars avec des recettes moyennes d'1,5 million de dollars par jour. Par le passé, plusieurs groupes terroristes et différentes insurrections ont eu de par le monde un impact substantiel, notamment durant les années 1970. Nul n'a cependant été en mesure de combiner, comme le fait l'État islamique, le transnationalisme, la militarisation et le contrôle local à une telle échelle, par le biais d'un commandement militaire expérimenté et avec une telle manne financière. Au-delà, le mode opératoire du groupe se décline sur quatre aspects clés. L'élargissement des éléments spatiaux du conflit, la transformation de la temporalité du recours à la violence, accélérée et décélérée à souhait, l'élargissement de la nature des cibles, intégrant symboles politiques, sociaux et culturels, et la systématisation d'une guerre asymétrique et privatisée.